la broyer du noir. Toutes ces nuits à essayer de ne pas perdre espoir. Shirazade est encore triste ce soir, à nouveau délaissé par son sultan. Aujourd'hui monsieur, sans la consulter, préfère passer son temps avec sa télé. Entre sa femme et ses enfants, au départ pourtant cette liaison semblait parfaite, même si elle devait rester secrète. Promesse, cadeau, sans parler des galipettes, tout ça justifiait sans doute le fait, à la rigueur, qu'il ne puisse se voir qu'en cachette. Mais les années ont passé, son sultan s'est progressivement fait moins cajoleur, et sa vie s'est transformée comme un compte à rebours en mille et un ennuis jusqu'au point de non-retour. Une nuit à se raconter des histoires. Toutes ces nuits à vouloir encore y croire. Mille et une nuits blanches à broyer du noir. Toutes ces nuits à essayer de ne pas perdre espoir. Elle s'était pourtant faite belle et sexy, à défaut d'être encore jeune et jolie. Mais quand vers 20 heures retentit le téléphone, elle devina de suite qu'elle ne verrait sans doute personne. Pour se consoler, elle se servit un grand verre de whisky. Shirazade buvait beaucoup trop ces temps-ci, de l'alcool mais aussi des paroles en rasade. L'un pour oublier l'autre, pour espérer, pour troquer ses nuits de 12 heures contre des nuits de douceur avec l'homme qu'elle ne pouvait se résigner à quitter. Lui pourtant ne laissera jamais sa femme, et ce malgré tous ses mensonges infâmes. Trop lâche, il est pour regarder la vérité en face. Trop tâche, il est pour apprécier sa grâce. Le sultan ne s'occupe pas de savoir si elle a des envies, des espoirs. Quand il est prêt, elle doit l'être aussi. Et si ce n'est pas le cas, elle doit faire comme si. Et une nuit à se raconter des histoires. Toutes ces nuits à vouloir encore y croire. Mille et une nuits blanches à broyer du noir. Toutes ces nuits à essayer de ne pas perdre espoir. Des années maintenant qu'elle endure les brimades, les humiliations de cette ordure. Or chaque jour elle se demande pourquoi elle s'entête à vouloir croire dur comme fer. Ses promesses toujours refaites de tout quitter juste pour elle et ses beaux yeux, puisque son amour est le don le plus précieux dont il a pu jouir jusqu'à ce jour. Shirazade prend 50 ans, toute sa vie elle n'aura fait que se raconter des boniments. Elle a toujours eu tellement peur de finir seule qu'elle en a accepté les pires tourments. Je pense donc, j'essuie mes larmes, je pense donc, je fuis ce drame, j'essuie les coups donc, je pense mes plaies. Oh s'il vous plaît, donnez-moi une arme, que je mette fin à ce vacarme dans ma tête, que je mette enfin terme à ce racket. Oui, Shirazade en a assez de se faire tripoter, de se faire maltraiter, de se faire ridiculiser. Désormais, Shirazade veut se faire respecter. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, elle décide de faire ses valises. De classer l'affaire, sans rien dire à personne, elle quitte la ville. Et le sultan le laisse en seul se débrouiller avec sa libido. Bref, sale temps pour lui et son petit ego. Elle qui voulait en vivre une belle histoire d'amour, un conte de fées, va enfin pouvoir briguer sa part de bonheur. Qu'un homme lui fasse enfin les honneurs, qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. À se raconter des histoires. Toutes ces nuits à vouloir encore y croire.